sport aujourd'hui, c'est une activité, hein, quel que soit le sport, hein, qui est pratiquée à l'échelle mondiale. Donc déjà, ça intéresse toute l'humanité. Ensuite, quand on regarde le sport cette fois professionnel et globalisé, on est sur une pratique qui va être l'une des rares à être capable de mobiliser toute l'humanité en même temps. On estime que sur une finale de Coupe du Monde, par exemple, de football, on a à peu près la moitié de l'humanité qui est touchée. Alors qu'il ne regarde pas forcément, mais qui est touchée. Donc on est déjà sur un phénomène humain rare. Ensuite, le sport a une autre capacité, c'est qu'il va mobiliser toutes les sociétés. Au travers du sport, on voit comment une société s'organise, comment elle se développe, comment elle avance, voire aussi comment elle recule. Et puis, c'est le meilleur moyen de comprendre finalement l'humanité, c'est de regarder comment elle joue. Le jeu a toujours été un élément de sociabilisation et d'éducation. À l'instar des animaux, les humains apprennent en jouant. Et quand on est finalement un observateur du sport, regarder le jeu permet de comprendre finalement les relations qu'il y a entre les États, les relations de pouvoir et les enjeux qu'il y a à l'intérieur des sociétés, et puis même au sein de groupes sociaux plus limités, que ce soit les clubs ou même des associations de quartier. Donc finalement, le sport est un très bon révélateur des sociétés, de leurs rapports de force, de leurs inégalités et aussi des relations qu'ils entretiennent avec les autres sociétés. Quand on parle du sport en général, on a tendance dans les médias à parler de soft power sportif. Le problème de ce soft power sportif, c'est que souvent il n'est pas défini, il n'est pas expliqué, c'est un peu comme la mondialisation, tout le monde en parle mais personne ne dit ce que c'est. Le soft power sportif, c'est la capacité que vont mobiliser les États à justement utiliser le sport pour gagner en attractivité, en rayonnement, en influence. Ça, c'est les trois choses qui ressortent traditionnellement. Mais aussi, c'est un moyen pour les États d'aller maîtriser ce qu'on appelle l'agenda setting, c'est-à-dire la maîtrise de l'agenda international, et derrière, de peser sur l'établissement, le changement ou l'élaboration des normes et des règlements. Et donc là, on est vraiment dans la définition qu'en donnait Joseph Nye, définition qu'il a faite évoluer. Et en l'occurrence, le sport va permettre véritablement pour un État d'exister, de se positionner sur la scène internationale, c'est le Qatar, de montrer qu'il est un nouvel acteur qui compte, c'est la Turquie, ou au contraire, un acteur qui revient sur le devant de la scène, c'est la Russie ou la Chine. Mais c'est aussi un acteur qui va être capable de focaliser l'attention sur lui pendant très longtemps. Le Brésil, la France par exemple, avec l'organisation de la Coupe du Monde de rugby 2023 et les Jeux Olympiques 2024. Et puis c'est la capacité aussi à changer les règles en sa faveur. Et là finalement, on voit que le droit, même dans le sport, est un élément essentiel du point de vue géopolitique. Et c'est là où le soft power, finalement, est intéressant. Mais ce qui est aussi nécessaire de rappeler, c'est que ce soft power, il se projette vers l'extérieur, mais c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver à l'intérieur des États. C'est tout ce qu'on renvoie, finalement, au nation building. C'est-à-dire que le soft power, la capacité à gagner, à organiser, à rayonner, c'est aussi un facteur pour les dirigeants qui sont à la tête des sociétés qui utilisent le sport. C'est un moyen de créer de l'unité nationale, de renforcer une identité nationale, surtout quand elle est questionnée. Et donc, on va avoir finalement deux manières d'envisager ce soft power vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de soi-même. Et puis, il y a une autre chose qu'on a souvent tendance à oublier, et ça, je passe beaucoup de temps à le rappeler, c'est qu'il ne peut y avoir de soft power sportif s'il n'y a pas de puissance traditionnelle, donc de hard power. Et donc, indirectement, vous avez le soft power qui est lié directement à votre capacité à peser dans tous les domaines traditionnels de la puissance. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le soft power sportif aujourd'hui est pratiqué par la majeure partie des pays du monde, mais à des niveaux d'intensité et d'échelle qui varient énormément. On pense par exemple à la Tanzanie, à ces pays qui sont spécialisés dans le fond ou dans le demi-fond. Et donc eux, ils ont fait finalement du marathon et des courses de longue distance un élément de valorisation. D'accord ? Je pense par exemple au Kenya. S'il y a un pays qui ressort, c'est celui-ci. Si on prend l'exemple de la Croatie a utilisé le sport à la fois pour faire l'unité des Croates en Croatie, mais aussi à l'extérieur, donc fédérer la diaspora et construire un sentiment d'identité nationale après l'explosion de l'ex-Yougoslavie. Là, on a deux exemples avec la Tanzanie et la Croatie, c'est le cas aussi du Kenya, de pays qui utilisent ce soft power pour exister et montrer finalement aux autres acteurs mondiaux qu'ils sont présents.
À l'inverse, vous avez des États qui sont pourtant incontournables, que ce soit économiquement, démographiquement, je pense à l'Inde, qui sont des nains sportifs. Parce qu'ils n'ont pas encore transformé justement leur rapport au sport. L'Inde, par exemple, est en train, avec Modi, de travailler cette question-là en dehors du yoga, pour justement que l'Inde puisse profiter de toutes les retombées du sport. À l'instar de ce qu'a pu faire la Chine à une époque, de ce que peut faire le Japon aujourd'hui, ou de ce qu'a pu faire les États-Unis depuis 1945. Depuis une dizaine d'années, on a pléthore d'acteurs qui arrivent dans le sport, qui ne sont pas forcément des États, hein, ce sont des entreprises, ce sont des consortiums, ce sont des investisseurs. Ils viennent chercher dans le sport finalement une rentabilité, puisqu'on a vu une croissance vraiment exponentielle du sport. On voit les revenus, on voit la valorisation des franchises et des clubs, on voit l'intensité du marché des transferts. Alors ça, c'était vrai avant le Covid. Le Covid a tendance à fragiliser le sport beaucoup plus que d'autres activités. Donc on aura peut-être un tassement pendant quelques années. Mais aujourd'hui, le sport, c'est rentable. C'est-à-dire qu'il y a une vraie possibilité finalement d'avoir un retour sur investissement. Après, vous avez des sociétés qui sont liées à des États, et c'est notamment le cas des fonds d'investissement. Là, on utilise l'arme économique du fonds d'investissement pour aller gagner de l'influence pour un État. Le meilleur exemple, c'est Qatar Sports Investment, qui dépend directement de Qatar Investment Authority, et qui finalement a racheté le PSG avec d'autres, d'autres actifs, et qui s'en sert pour valoriser l'image du Qatar. On voit par exemple avec le dernier maillot de Ligue des Champions du PSG, qui est un maillot qui est clairement aux couleurs du Qatar pour les 50 ans du pays. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir qu'aujourd'hui, on a énormément d'acteurs qui sont à la fois institutionnels et privés, qui s'engagent justement dans le sport, soit pour aider à construire une stratégie d'État. On voit par exemple Adam en Israël, qui a contribué à la construction d'une équipe cycliste. C'est la Startup Nation, c'est Israel Startup Nation. À côté de ça, on a aussi des acteurs institutionnels ou financiers chinois qui viennent suppléer l'effort de rayonnement chinois en prenant position dans les clubs. D'abord, pour aller dans le sens de la politique d'État qui est menée par Xi Jinping, mais aussi pour gagner les faveurs du pouvoir. Et donc, on a tout un ensemble finalement d'opportunismes qui se rassemblent autour du sport, et qui permettent d'abord une plus grande politisation de ce dernier, pour beaucoup un retour sur investissement qui soit à la fois économique et politique, et puis enfin qui oblige chacun des acteurs à se poser la question de savoir ce qu'il vient faire dans le sport. Et aujourd'hui, la vraie question, elle est posée. Est-ce qu'il ne faudrait pas bordurer davantage, réguler davantage, et éviter que le sport ne soit utilisé uniquement comme un outil et un levier? Quand le City Football Group, un acteur financé en partie par des capitaux chinois et émiratis, vient investir à 3 donc, et rachète les stacks, il le fait avec plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de poser finalement un pied en France, c'est-à-dire sur un des marchés qui va produire le plus de joueurs et qui va en vendre le plus. Donc là, on est vraiment dans une logique de rentabilité. La deuxième idée, c'est qu'en allant à 3, on a aussi l'avantage d'entrer sur la scène politique française de manière beaucoup plus discrète que si on avait acheté un club à Paris, c'est le Qatar et le PSG, en se rapprochant finalement de François Baroin, qui est, avec sa position au sein de l'Association des maires de France, quelqu'un qui, en tout cas jusqu'à une période récente, était supposé être l'un des candidats de la droite républicaine pour la prochaine élection présidentielle. Donc il y a un moyen de faire de l'entrisme politique et donc d'aller chercher d'autres opportunités. Il y a une troisième raison aussi à cette entrée sur le marché, c'est que le City Football Group est une multinationale du foot, c'est la première, c'est la seule qui existe. Aujourd'hui, elle dépasse les 4 milliards d'euros de valorisation et elle a besoin pour ça d'être présente dans énormément de championnats pour à la fois récupérer les joueurs mais aussi une partie des droits télévisés et surtout proposer à ses partenaires et à ses sponsors une visibilité qui soit importante sur tous les continents du monde. Ils sont présents en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, ils sont présents en Chine et en Inde, et donc avoir l'Europe et notamment le marché français est important, sachant qu'en Allemagne ils ne peuvent pas entrer,
puisque un club n'a pas le droit d'être possédé à plus de 50% par un acteur étranger. Toute l'histoire du mouvement sportif a reposé sur une idée, c'est l'autonomisation entre les fédérations internationales de sport et les acteurs traditionnels de la géopolitique, les États, les organisations internationales. Et donc, le sport a construit un mythe, c'est l'apolitisme sportif, alors qu'ils font de la politique depuis la fin du 19e siècle. Mais ça restait finalement dans l'ombre, pour une raison très simple, c'est que le sport n'avait pas la même valorisation, la même audience et le même poids, à la fois médiatique et économique. Avec le temps, le sport, et notamment au cours de la guerre froide et surtout vraiment après la Seconde Guerre mondiale, a pris une importance considérable. Ça a été encore plus vrai après la guerre froide. Et ces acteurs qui étaient capables d'organiser des manifestations internationales, Coupe du Monde, Jeux Olympiques, qui étaient relativement réduites en termes de participants, sont devenus les premiers acteurs d'une mondialisation qui n'avait pas encore touché finalement toutes les autres composantes de la société. Elles ont été à l'avant-garde de cette mondialisation. Et donc elles y ont gagné une importance et un poids que n'avaient pas encore les autres institutions. Et donc elles sont devenues absolument incontournables. Un exemple très simple, le président du CIO, donc le Comité International Olympique, est reçu comme un chef d'État. C'est pareil pour la FIFA. Aujourd'hui, il y a plus d'acteurs à la FIFA, il y a 221 fédérations qu'à l'ONU qui compte 193 membres et 197 pays si on compte les pays observateurs. On est véritablement dans une autre échelle. Et aujourd'hui, et on l'a vu là depuis 20 ans, le CIO, l'UCI, donc pour le cyclisme, et l'ensemble des fédérations internationales sont devenues des vraies composantes finalement de l'écheveau géopolitique mondial. Aujourd'hui, elles ont finalement un poids qui est comparable à celui des firmes transnationales, je pense aux GAFAM, aux NATO, etc. Il est aujourd'hui très compliqué pour un État d'influencer ses décisions. En tout cas, le rapport finalement de force qui existait il y a encore 30 ans n'est plus d'actualité. Et on le voit, cette autonomisation finalement du pouvoir sportif, elle se fait souvent favorisant des États qui vont tirer profit du sport et qui vont permettre à ces fédérations internationales de croître. Je pense à la FIFA, par exemple, lorsqu'elle décide de favoriser les États-Unis en leur accordant la Coupe du Monde 2032. 2026, pas 2032. Je pense à la Chine, par exemple, qui récupère les Jeux Olympiques d'hiver de 2022. On est véritablement dans cette logique-là aujourd'hui. Ce sont des acteurs parmi d'autres, finalement, de notre monde. Le projet de Super League européenne, c'est un projet de ligue fermée, en gros à l'américaine, où ne seraient présents que les très grands clubs. Ça permettrait donc à ces très grands clubs de valoriser finalement leur participation à cette compétition et d'attirer des sponsors et de les faire payer davantage. En gros, de capter la majeure partie des revenus et de faire croître ces derniers. Concrètement, c'est ce qu'on voit avec le sport américain, c'est-à-dire que vous n'avez pas de risque de perte, vous sécurisez vos investissements, vous sécurisez vos actifs et vous ne faites que croître. Donc c'est du strict point de vue business une excellente chose. Maintenant, du point de vue de l'identité même de ce qu'est le football, c'est une vraie rupture avec l'histoire de ce dernier et plus encore avec l'ancrage territorial. Parce que ces clubs aujourd'hui sont tellement mondialisés qu'en dehors de la ville qu'ils soutiennent, on va trouver des fans du Barça un peu partout. Et donc, ce supporterisme à distance, il a tendance à gommer l'attachement du territoire à son club. On a tous appris, en tout cas pour ceux qui s'intéressaient au sport, la géographie en suivant les matchs de foot, en allant découvrir des petits clubs en Coupe d'Europe. Et on peut même aller plus loin, les Coupes d'Europe ont devancé finalement la construction européenne au sens strict. Là aujourd'hui, voir un projet business comme la Super League européenne se mettre en place, ça risque effectivement d'abord de faire disparaître énormément de clubs, de concentrer les revenus sur une élite de clubs. Alors c'est déjà le cas avec la Ligue des Champions, mais là on passerait un stade. Et c'est surtout la mort programmée des championnats domestiques. Avec une vraie menace derrière, c'est que ce qui fait le lien entre le stade, sa communauté et finalement ceux qui suivent le sport serait considérablement altéré. Donc on espère que la fédération internationale, on espère que les acteurs du sport prendront conscience aussi de la responsabilité sociale qu'ils ont et finalement de ce que ça représente.
Le sport nécessaire à tous les territoires, il doit être présent sur tous les territoires et il ne va pas se concentrer, comme on peut le voir aux États-Unis, au niveau de franchise. Parce que d'abord, culturellement, ce n'est pas notre modèle. Et on voit clairement que quand on prend des Américains et qu'on leur donne la responsabilité d'organiser des clubs en France et en Europe, ils échouent. Faire ça, c'est faire peser une menace sur le premier sport européen, sur le premier sport mondial. D'autant que pour l'instant, l'Europe est encore dominante, c'est l'un des rares domaines où l'Europe est encore dominante. Et ce projet de Super Ligue européenne, c'est aussi le prélude à une Super Ligue mondiale qui relativiserait aussi le poids du football européen. Dans tous les cas, c'est pas une bonne chose, ni pour ceux qui vont faire du foot, ni pour ceux qui font du foot, ni pour ceux qui le regardent. Les seuls gagnants, ce seront les dirigeants des clubs de foot et les footballeurs qui pourront tirer peut-être une rémunération plus importante.